My God, ça brûle dans le milieu de la télé-réalité, s'il vous plaît. Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler un peu de ce qui se passe dans le milieu de la télé-réalité. Ça va faire plusieurs jours que cela dure, ok? Un bon jour, on est tranquille, au calme, lorsqu'on entend Alix, une des candidates de télé-réalité, aussi très influente, bien entendu, qui nous a fait part comme cela d'un candidat qui aurait eu un comportement très déplacé à l'égard d'une mineure. En fait, on évite de dire les mots comme ils le sont parce que, vous savez, YouTube est très sensible, mais il y a eu attouchement sur mineur. Mais pas seulement attouchement, hein, mais genre le mec avait l'intention vraiment d'aller très loin avec cette petite fille. Imaginez-vous, ok? Cette situation a fait le tour du monde, ça fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde se demandait, mais il s'agit de qui, ok? Alors, elle était la seule à pouvoir dénoncer cela. Elle est la première personne qui en a aussi parlé comme ça ouvertement. En tout cas, avant elle, moi personnellement, j'ai pas entendu quelqu'un d'autre raconter l'histoire. Alors, ça commençait à être raconté partout sur les réseaux sociaux. Et on a vu certains candidats qui ont commencé à faire surface, qui ont commencé à se sortir du silence, qui ont commencé à dire, ouais, moi j'ai entendu parler de cette histoire. Tiens, moi j'ai même vu la vidéo. Je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai vu la vidéo. J'ai vu, j'étais choquée aussi au même titre qu'Alix. Oui, Alix n'a pas menti. Cette vidéo-là existe vraiment, où on voit ce candidat-là et tout cela. Est-ce que la production a été interpellée? Est-ce que ceci? Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées autour de cette histoire. Les gens se sont vraiment demandé de qui il s'agissait. Mais pas mal de personnes sont en train de confirmer qu'il s'agit de Ilan, en fait. Beaucoup sont en train de dire que c'est Ilan. C'est qui Ilan? Ilan, c'est ce beau gosse-là que vous êtes en train de voir en image, en fait. C'est ce gars-là que vous voyez en image. Ça, il fait aussi partie des candidats de télé-réalité très influents, qui ont aussi un mot à dire, qui sont aussi le plus souvent castés, qui sont aussi le plus souvent demandés, les plus souvent sollicités, très actifs, très présents dans le milieu de télé-réalité. En tout cas, il est vraiment parmi les high, ok? Alors, beaucoup de personnes disent que c'est Ilan. Il y a même un gars qui est aussi dans le milieu de télé-réalité. Enfin, je pense que c'est un blogueur ou un truc du genre qui a essayé aussi d'affirmer dans ce sens, mais il a eu des problèmes avec Ilan et tout et tout. Mais beaucoup de personnes disent que c'est Ilan. Certains ont dit que c'est Seb Daddy qui avait filmé, d'autres disent que c'est pas Seb Daddy, mais la vidéo se trouve quelque part. Anthony Alcaraz a aussi dit qu'il aurait vu la vidéo, un candidat aussi de télé-réalité. Il dit qu'il aurait aussi vu la vidéo, mais il ne l'a pas avec lui parce que personne n'a voulu le lui envoyer. Donc bref, la vidéo existe vraiment. Alors, il y a Alix qui est passée, je pense, si je ne m'abuse, chez Cyril Hanouna, où elle a essayé de. Je pense que c'est chez Cyril Hanouna qu'elle est passée, où elle a essayé de relater, ok, l'histoire. Comment est-ce que ça s'est passé? Les vidéos, où est-ce que ça se trouve? C'était présenté de quelle manière? Etc. etc. Donc, il a vraiment essayé, elle a vraiment, excusez, essayé de raconter l'histoire, ce qu'elle avait vu avec les détails. Donc, touche pas mon poste et tout. Attends, j'essaie de vous mettre un extrait quand même, que vous puissiez écouter ses explications à elle. De toute façon, c'est en français. Vous allez écouter sa version des faits, comment est-ce qu'elle explique, même elle relate avec les détails. Aussi, elle précise que quand elle a décidé de dénoncer la situation, quand elle a décidé de dénoncer la chose, briser le silence et tout, elle a reçu des menaces venant de partout, des gens certainement du milieu de la télé-réalité, et aussi des personnes anonymes, genre qui vont tout faire pour lui faire taire et tout ça. Il y a des ceux qui disent, mais pourquoi t'accuses-t-elle? Pourtant, elle a cité le nom de personnes. Attendez, je vous laisse juste écouter. C'est pas long, c'est court d'ailleurs. Vous écoutez juste les explications de d'Alix et puis on continue, ok? Le téléspectateur, ce qu'on voit dans cette vidéo. Bien sûr, on voit une jeune fille. C'est une pièce qui est toute noire. Enfin, peut-être un peu éclairé mais sombre. La personne filme avec le flash. Il y a une personne qui filme. Il y a deux personnes. Donc, il y a une personne qui filme, la personne qui est acteur de la vidéo. Il y a une jeune fille donc assise sur un bord de lit ou je sais pas trop, enfin sur un truc, tiens, un lit. Et la personne en question s'avance vers elle, n'a pas de pantalon, a un t-shirt. Il a un t-shirt blanc. Donc j'espère que cette vidéo sera retrouvée. Et bah c'est très drôle, visiblement. On l'attrape, la jeune fille, par les cheveux. Elle veut pas. On dit non. On essaye de lui demander des faveurs. Et elle refuse. Elle pleure. Moi, j'ai vu une personne, en fait, la Vous vidéo. êtes très ému quand vous racontez. En fait, si Vous vous la voulez. connaissiez pas, en plus, cette jeune fille, mais
En fait, je peux pas. Je connais pas la personne. Mais quand je vois un truc comme ça, c'est même pas tant la vidéo qui m'a choquée, c'est les suites en fait. C'est la vidéo en elle-même, elle est. Je pense que n'importe qui, vous tous, vous voyez cette vidéo, vous ne pouvez pas rester. La jeune fille pleure. Elle hurle. Il y a du son. Elle dure 1 minute 30. Elle pleure, elle supplie, elle dit je t'en supplie, arrête. Non. Moi je suis désolée, hein. Mais non, ça veut dire non. Donc, au bout de quelques instants, la personne sur cette vidéo jette la jeune fille comme ça et lui dit « Ah, elle était pas drôle, je vais aller voir ta copine. » Sachant que tout le long, elle rigole, elle regarde la caméra, ah, « c'est marrant !» et tout. Je n'ai nominé personne. D'accord. Je ne le ferai pas. Je le ferai auprès de la police. Et si je suis là pour ça aussi, parce que j'espère que là où les personnes qui auraient pu être victimes de ce genre de choses, de cette personne ou d'autres personnes, prennent conscience que c'est pas parce qu'on est connu et qu'on a une pastille bleue sur Instagram que tout est permis. Et qu'il faut qu'ils comprennent que dans ce milieu-là aussi, il y a des femmes. Et que c'est pas parce que tu t'es retrouvée dans une situation, peut-être parce que t'as vu des gens connus, t'as voulu passer une soirée avec des restas et qu'après t'as changé d'avis, peu importe la raison, il ne faut pas se sentir honteuse. Moi, j'ai parlé avec d'autres personnes qui ont eu affaire au même genre de soucis, même genre de personnes d'ailleurs. Je viens pas faire la police. Je viens juste dire aux personnes qui ont été victimes que si jamais elles ont besoin de quelqu'un qui les soutienne et qui a été témoin, parce qu'en fait, je l'ai vu. Si je l'avais entre mes mains, cette vidéo, je serais pas là, en fait. On serait devant les tribunaux, je pense. Je ah oui. Dis, hein. Ah vous oui. Avez reçu des menaces, vous aussi? Oui. Quel genre de menaces? Merci. Des menaces de parler de moi, de me faire fermer ma gueule. Des menaces physiques? Ah, des menaces écrites, mais ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on a un truc super sur iPhone qui s'appelle le screenshot. Et donc, c'est quoi comme genre de menace? C'est des menaces de me faire fermer ma gueule, parce que visiblement... Quel moyen? Oui, je ne sais pas. Mais encore une fois, c'est des documents que je donnerai à la police. Mais anonymes ou des gens que vous connaissez? Ah non, des gens que je connais. Ah bah, très bien. Parce que, vous savez, c'est difficile de contacter une personne. J'ai reçu des menaces anonymes aussi qui pensent que j'incrimine quelqu'un directement. Moi, personnellement, il ne me semble pas avoir donné de nom à aucun moment. Donc, je ne vois pas de quoi on m'accuse. Voilà, j'espère que vous avez suivi au fait les explications d'Alix. T'es pas mère, t'es pas parent, tu entends ça, tu flippes, t'as la chair des poules. Et à combien plus forte raison nous qui sommes parents en fait. J'ai une petite fille et je me demande si jamais ma fille tombe sur ce genre d'énergumène un jour en route quelque part, comment elle fait pour s'en sortir? Je suis pas là pour la défendre en fait à un moment donné. On se demande et on flippe, on a peur, on a envie d'arrêter toutes ces personnes et de leur mettre dans un coin. Mais seulement, il y en a qui sont comme ça, mais qui sont en costume. Hein. Il y en a qui sont comme ça, qui n'ont même pas l'air des délinquants. C'est des personnes en costume, cravate. Ils sont en train de courir nos rues et on ne sait pas, on ne les connaît pas de visage. Peut-être que c'est nos meilleurs amis, peut-être que ce sont nos meilleurs potes, nos cousins, nos frères, les personnes les plus proches de nous ou encore les personnes les plus loin de nous. Mais bref, ces personnes existent vraiment au milieu de nous. Alors, elle dénonce ce genre de choses, elle reçoit des menaces venant de partout. Le milieu de la télé-réalité, hein, c'est le milieu le plus horrible en ce moment, je vous dis. Enfin, dans le sens où il y a tellement beaucoup de cochonneries qui se passent dans ce milieu que de fois même ça dégoûte de les suivre. Avec tout ce qui nous démontre, la télé-réalité, c'est pas seulement tracé, c'est paillettes et tout ça à courir dans tous les sens. La guerre contre les jaunes et les rouges ou encore entre les Marseillais versus les restes du monde et tout cela, vous gagnez des trucs et ce sont eux qui vivent bien, qui font le placement de produits, qui ont des contrats. La télé-réalité, c'est aussi cette réalité extérieure. Trouvez même les plus démunis, les petits peuples, ceux qui vivent au jour les jours, montrez-nous la galère, comment ça se fait. C'est une télé-réalité, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'un pauvre vit et comment est-ce qu'il fait pour vivre au jour le jour? Vous donnez peut-être un petit budget, un fonds de fonctionnement à un démuni, à quelqu'un qui n'a pas d'argent pour se remettre sur pied. Vous leur demandez d'établir chacun un projet, vous leur donnez un petit budget. Faites une télé-réalité autour de ce qu'ils auront la capacité de mettre en place comme business, comme projet. Et voilà, ils essaient de réussir. Et voilà, c'est aussi une télé-réalité. Ce n'est pas seulement les filles qui passent leur temps à faire de la chirurgie plastique, refaire leur nez, leurs narines, leurs paupières, leurs sourcils, même les poils dessous les aisselles, ils sont en train de refaire. Et tout, voilà, ils font constamment, ils font que ça. Qui passent leur journée en bikini, ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est aussi la galère, ok? On est fatigué de voir le bling-bling, les grandes maisons, la belle vie, tout ce qui frappe à l'œil. Et la jeunesse pense qu'il n'y a que ça, ok?
Ils sont constamment en train de dire que, ouais, pendant la production, la beuh n'entre pas, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais entendre ce qui se passe deux fois sur les lieux de tournage, on se dit, mais il faut être ivre pour commettre des tels actes, au fait. OK? Et c'est celui-ci qui couche avec tel, et l'autre l'ex de tel, et puis finalement se retrouve avec tel. C'est tout ce qu'on nous apprend. C'est tout ce que vous apprenez à la jeunesse. Et au milieu des gens comme ça, qui sont au milieu des télé-réalités, ceux qui ont les projecteurs sur eux, ceux qui font rêver la jeunesse, ceux qui font croire à la jeunesse que tu habites France, mais tu peux quitter pour aller vivre à Dubaï dans une belle maison et tout ça, faire placement pour une machin. C'est ça la belle vie. Et c'est quelqu'un sur qui vous braquez votre caméra pour servir de modèle à la jeunesse, qui derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il court derrière une petite fille mineure. Il ne donne même pas l'opportunité à la petite fille. Mais la fille dit non, mais il insiste quand même. Ça, c'est un viol. Ça, c'est une agression. Ça, c'est... Voilà, on nous présente un pervers narcissique carrément. C'est pas normal. C'est pas sérieux. On doit dénoncer ce genre de comportement. C'est des choses à dénoncer. Il est vrai, honnêtement, que la majorité sexuelle, peut-être en France, c'est 15 ans. OK? Mais 15, 16, 20, même à 50 ans encore, quelqu'un veut pas que tu lui fasses un truc, ça reste un viol. C'est fait sans son consentement, ça reste un V-O, un V-O-I-L-E. Je pense que c'est comme ça que ça s'écrit. Ça reste ça. Ok? Ce n'est pas normal. Même si vous êtes retrouvés sur un même projet, si c'est un gamin, c'est un gamin, si c'est une gamine, c'est une gamine. Regardez comment est-ce qu'aucun d'entre eux ne veut salir les mains. Normalement, entre potes, qu'est-ce qui se passe? C'est que, ouais, les garçons, hein, même les filles, hein, quand il y a une petite vidéo, ça se transfère. Hein. Ouais, envoie-moi d'abord la vidéo, je veux voir. Non, mais comment t'as fait ça? Envoie-moi la vidéo, je vais voir. Mais là, personne n'assume, comme par hasard, de toutes les vidéos qu'on se transfère constamment sur nos téléphones, cette vidéo-là dont parle Alix en particulier ne se retrouve sur le téléphone de personne. Parce que des tiers se disent que non, moi, je ne voulais pas être associée à cela. Quand même, c'est horrible, c'est une enfant qui refusait. Tout le monde se donne les airs de je suis responsable et c'est lui le con. Mais nous savons tous que quand il y a des petits trucs qui se passent dans les téléphones, on se les transfère constamment. Aujourd'hui, personne ne détient cette vidéo, personne n'est en possession de cette vidéo-là. Mais tout le monde dit avoir vu. Mais quand vous avez tous vu, pourquoi vous n'avez pas dénoncé tout de suite? Il a fallu que Alix parle. Dans un tournage, sur un tournage dernièrement, Alix criait dans tous les sens. Nous tous, on en avait marre au fait. On se disait que ouais, Alix, elle parle trop, elle dérange, elle fait la mère, elle fait ceci, elle fait cela. Mais à un moment donné, elle parle trop. Aujourd'hui, elle a quand même sorti quelque chose d'important. Okay? Aujourd'hui, elle a quand même sorti quelque chose d'important. Arrêtez de couvrir ce genre de bêtises. Parce que c'est pas parce que ce sont les enfants des autres que c'est pas dangereux. Ça peut aussi vous arriver à vous, chez un inconnu, à votre nièce, à un membre de votre famille. Comment est-ce que vous allez gérer ça? Ce genre de personnes, il faudrait les éloigner de vous. Et puis, quand quelqu'un estime qu'il a un certain pouvoir sur les autres, il se croit tout permis. À force de braquer des caméras sur eux, ils pensent qu'ils ont de l'autorité, c'est des stars, ils sont tout, ils se croient tout permis. Vous voyez un peu, aujourd'hui, ce gars va peut-être en vouloir grave, aura le seum contre Alix parce que Alix a balancé des trucs. Quand on va l'arrêter, ça sera médiatisé. Il faudrait qu'on connaisse le visage de ce dernier. Mais vous pensez qu'au milieu de tous les vautours qu'il y a dans la télé-réalité, il est le seul? Natania a passé et passé une fois chez Sam Zira. Elle a raconté comment est-ce qu'elle a vécu aussi des trucs horribles, atroces, un langage très déplacé. Elle a parlé de Raphaël sur le tournage de des anges de la télé-réalité, si je ne m'abuse. Si c'est pas des anges, les anges, je sais plus trop. Mais elle a parlé du fait que le gars avait quand même un comportement, un langage assez agressif. En fait, hors caméra, on ne sait pas ce qui se dit exactement, mais on sait qu'il y a des choses quand même pas bien qui se passent. Même si on prend celui qui a commis cet acte-là. On le met de côté, sachez qu'il y a encore d'autres qui se cachent derrière ces choses. Il faudrait suivre ça de près. Ce n'est pas normal. Et ce genre de choses, il faudrait dénoncer. Il faudrait mettre ces personnes hors d'état de nuire. Il faudrait vraiment empêcher que ce genre de choses continue. Si vous voulez mettre de l'ordre et de la propreté, en dehors des traces et paillettes que vous nous montrez constamment, il faudrait aussi sortir ce genre de personnes de vos genres de production. Parce que si la production a couvert ce dernier et que nous découvrons de qui il s'agit, on peut boycotter cette production-là. Tout simplement parce que vous avez couvert quelqu'un qui peut-être vous fait des entrées parce qu'il est demandé par certains de vos partenaires, mais cette personne est un danger, même pour vos propres enfants, en fait. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est de ça qu'il s'agit. Vous tous qui prenez les candidats de télé-réalité pour des modèles, pour des anges, parce qu'ils sont clairs, parce que ils sont sur les faits des projecteurs, parce qu'ils sont tout ce qu'ils sont et tout ça. Regardez ce qu'ils sont hors caméra. Regardez ce qu'ils font en cachette. C'est très dangereux. OK? Alors, les gens qui disent non, mais pourquoi vous accusez tout ça, Ilan? Ça peut être Ilan ou ça peut être toute autre chose. Mais ne menacez pas Alix. Parce que si vous la menacez, ça veut dire que vous cautionnez et que vous applaudissez ce qui se passe. Or, personne ne peut cautionner la violence sur n'importe quel type de personne, âgée ou pas âgée. Il y a des gens qui disent que ceux qui ont vu la vidéo, mais qui n'ont pas dénoncé, seront peut-être considérés comme des complices. Au fait, est considéré complice celui qui était là pendant l'acte, ok, pendant que la chose se faisait, mais cette personne n'a rien fait. Ce sont ces personnes-là qui seront considérées comme des complices. Parce que quand Alix est en train d'expliquer la vidéo, le déroulement de la vidéo, elle disait qu'il y avait genre des filles qui étaient genre assises. Quand elle voyait la vidéo, il y avait des filles genre assises et sur, je ne sais pas moi, le lit ou quoi. Et lui, il était en train de faire le truc à la petite. Donc, si ces personnes qui étaient assises sur la vidéo, comme Alix essaie de l'expliquer, ont vu ce qui se passait devant eux, mais n'ont rien fait, se sont tues, n'ont pas interdit, n'ont pas intervenu, n'ont pas intervenu, ces personnes-là seront justement considérées comme des complices. Et non, les autres qui disent, moi, j'ai juste vu la vidéo, j'ai rien fait. En fait, une vidéo que tu as vue plus tard, tu n'étais pas sur le lieu de. Des faits. Qu'est-ce que tu fais au fait? Voyez un peu. Alors, Alix qui décide aujourd'hui de dénoncer cela, certainement qu'elle sait entre les mains de qui se trouve la vidéo. Parce que probablement que la justice va vouloir poursuivre et poser des questions. C'est médiatisé, c'est devenu une affaire publique. Le ministère public peut décider de se saisir de la situation et commencer à poursuivre ce dossier. Nous espérons que quelqu'un va mettre à la disposition, n'est-ce pas, des autorités compétentes. Cette vidéo-là, et que ça ne sera pas supprimé et enterré. On espère que le concerné va coopérer, que cette histoire va être mise à nu. Et même si quelqu'un a enterré cette vidéo, ça n'exclut pas le fait que les gens doivent être prudents. Et même le concerné ou toute autre personne, vous devrez être prudent au fait. Ne laissez pas vos enfants auprès de n'importe qui. Et puis, ne laissez pas vos enfants fréquenter ce genre de milieu. Vous êtes jeune, vous suivez cette vidéo, vous avez 16 ans, vous avez 17 ans, vous avez 18 ans, vous avez 19 ans, vous ne rêvez que de ça, devenir candidat de télé-réalité, etc., etc. Nous tous, nous aimons l'effet des projecteurs. Nous adorons le succès, nous aimons la visibilité, nous aimons ce genre de milieu. Il y a de l'argent, les placements de produits, les ceci, t'es considéré comme une reine, tu peux vivre à Dubaï, dans une villa, etc., etc. Nous tous, nous aimons ça. Mais ce n'est pas forcément ça la vie, au fait. Ce n'est pas que ça la vie, au fait. OK? Pensez aux études. Pensez à vous construire une vraie vie solide, durable dans le temps. Parce qu'à un moment donné, il y a la nouveauté sur le marché. Tu peux être candidat de télé-réalité, tu as du succès. Mais le jour où tu ne pourras plus avoir des contrats, le jour où les productions vont plus te prendre, tu vas être abandonné. Voilà pourquoi vous voyez ceux qui sont habitués d'être sous l'effet des projecteurs, commencer à se droguer, commencer à devenir ivre, faire tout et n'importe quoi comme buzz pour se maintenir en actualité. Même si vous voulez vous lancer dans ce business de télé-réalité, à côté, faites autre chose. Pour permettre à ce que si, de l'autre côté, vous arrêtez votre carrière en tant qu'influenceur, enfin, en tant que candidat de télé-réalité, vous pouvez continuer votre vie d'influenceuse. Comme je vois Océane qui a sa chaîne YouTube, elle fait ses vlogs, elle fait ses tutoriels, elle fait ses trucs. Elle peut arrêter les télé-réalités, mais au moins elle peut continuer des télé-réalités sur sa chaîne YouTube. Elle peut continuer ses business. À part la télé-réalité, faites des études, faites des choses durables dans le temps qui peuvent continuer au fait de vous garder actif si vous aimez l'effet des projecteurs. Ok? Pensez à vous stabiliser. La vraie vie, ce n'est pas seulement ce qui se passe sous l'effet des projecteurs, c'est aussi ce qui se passe hors caméra. Cette histoire m'a vraiment frustrée. Cette histoire m'a fait très mal de voir à quel point le monde est mauvais et le genre de choses qui se fait comme ça en cachette, qui se font en cachette. Il y a des gens qui ont vu, qui ont décidé de se taire parce que personne n'aimerait se salir les mains dans cette histoire. Et puis si tu n'as pas des preuves en tes mains, tu ne sais pas dénoncer ce genre de choses. Et puis si la personne qui le fait, c'est ton pote, bon, même s'il n'est pas passé à l'acte, ça te fait mal. Mais à un moment donné, tu as besoin de protéger ton pote aussi. Et puis, aussi de l'autre côté, cet enfant disait non, l'enfant pleurait, l'enfant criait. Ça veut dire que cet enfant n'avait vraiment pas du tout besoin de le faire. Mais sachez que nos petites filles de 15, 16 ans, 17, 18 ans, quand elles grandissent, elles ont cette envie-là, elles aiment les hommes matures, elles aiment ça, un candidat de télé-réalité qui lui fait la cour, ça peut forcément lui plaire. Une autre petite fille de 16 ans naïve va peut-être accepter cela parce que c'est une star, parce que c'est un candidat de télé-réalité. Il y a des jeunes comme ça qui ont couché avec des personnes plus âgées
à cause du fait que c'est des personnes qui sont des stars, des personnes publiques. Elle aime ça. Elle ne comprend même pas ce qu'elle est en train de faire, en fait. Il y a une candidate de télé-réalité qui est passée dans une émission comme ça. Elle a dit quand elle était petite, elle a couché avec Booba. Elle disait comme ça clairement. Elle a cité les noms des stars avec qui elle est sortie. Elle pense que c'est ça la vie. Elle pense que c'est ça le kiff. Elle pense que c'est ce qui est bien. En fait, elle a normalisé la chose. Ça fait mal au niveau de la naïveté qu'il y a dans la tête de certaines personnes. Arrêtez juste. Arrêtez juste. Sachez qu'il y a des enfants. Il y a une éducation à donner. Il y a une génération qui va remplacer la génération actuelle. On a des valeurs à communiquer, à transmettre. Il y a des mœurs à communiquer, à transmettre. Si on doit rester que sur ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, on va se demander à quoi va ressembler la génération future. Qui sera la relève, au fait? C'est comme si dans 10-15 ans, le monde ne va plus exister. Parce qu'on n'a que, en tout cas, en grande majorité, des écervelés, des gens qui pensent que tout ce qu'il y a sur la toile, c'est ça la vie, quoi. Vous voyez un peu? S'il vous plaît, la jeunesse, n'enviez rien de tout ce qui se passe au milieu de la télé-réalité. Et même si vous voulez faire la télé-réalité, faites-le bien. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse voir une candidate de télé-réalité avec des principes et des valeurs? C'est pas des principes et des valeurs à la Mila Jasmine, au fait. Pas des principes et des valeurs à la Maïva Guénam. Pas des... Non, genre, tu viens aussi, t'es à la piscine, mais pas forcément en bikini, sans chirurgie esthétique, sans chirurgie plastique, pas à coucher avec tout le monde. Tu viens, tu fais ton taf, tu fais aussi des scènes, tu cries sur les gens, tu gueules sur tout le monde, tu recadres les Maïva Guénam, tu fais aussi des scènes comme tout le monde, mais t'es pas dans l'extravagance, t'es pas dans l'exposition, t'es pas dans la dépravation, t'es pas dans la débauche, t'es pas dans toutes ces choses. Tu restes toi-même avec des valeurs et des principes. Est-ce que c'est possible qu'on nous prenne des femmes africaines authentiques et qu'on les mette dans les télé-réalités? Genre une fille de la République démocratique du Congo, authentique. Hein? Vous prenez, vous la mettez là, une Ivoirienne, une Camerounaise. Pas forcément les... toutes celles-là qui sont déjà dans la... cette soif-là de visibilité, etc. Non. La jeunesse d'aujourd'hui ne voit que ça, ne pense que à ça, croit qu'à ça. En fait, c'est choquant et c'est flippant. À un moment donné, on a peur du futur, on a peur du futur. Donc bref, je ne vais pas vous garder longtemps. Ça fait mal d'entendre ces choses. Un candidat a probablement violenté une jeune fille. Il faudrait qu'on dénonce, ok? Et que ça s'arrête. Parce que dans ce milieu-là, il y a la drogue. Il y a l'alcool, il n'y a que ce genre de choses. Et il y a beaucoup trop de trucs sales dans ce milieu. Rares sont des histoires quand même assez clean. Certains étaient dans ça, ils se sont casés. Aujourd'hui, c'est des pères, des familles, des parents responsables. Ils ont arrêté. Mais il y a de ceux qui sont encore en train de continuer à fond. Il faut stopper. Il est temps de mettre un peu d'ordre. Que la génération future puisse trouver un peu d'ordre dans cette histoire, en fait. J'espère que les productions vont se charger de cela, de cette information. Ils vont travailler dessus, ils vont retrouver de qui il s'agit, que la justice aussi va faire pareil. Et pour ceux qui sont en train de menacer Alix, au fait, arrêtez juste. Même les anonymes, les faux comptes, toutes ces personnes, arrêtez juste. Parce que ça pouvait être votre sœur, votre fille, fan de Ilan ou pas. Même si c'est Ilan, vous n'allez rien faire à personne. On va l'arrêter, on va le mettre en tôle. Il y a de ceux qui donnent des indices qui sont clairs, qui disent suffisamment que, voilà, qui disent à suffisance que c'est Ilan. On s'en fout. Si c'est Ilan, il ira en tôle et puis vous n'allez rien faire à personne. Si c'est Raphaël, vous n'allez rien faire à personne. Ok? Si c'est Julien Berthoud, je sais pas, n'importe qui. Vous n'allez rien faire à personne, il va se faire arrêter, il va répondre de ses actes. Comme ça, ceux qui sont dans le même délire que lui vont se remettre en question et vont nous stopper ça. Ok? Tout simplement, voilà. Donc bref, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ceci, de ces informations dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous pensez dans l'espace commentaire et tout. Il y a des candidats qui ont quand même marqué, qui ont aussi été dans des trucs chelous, mais qui sont un peu restreints. Il y a Julien Guéard de la Gouire, que je ne vois même pratiquement plus. En tout cas, vous dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Comment est-ce que vous voyez le milieu de la télé-réalité? Tout le désordre qu'il y a autour, toutes ces choses. Enfin, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Expliquez-moi un peu. Ok, j'aurais voulu faire un live, mais je pense que je ne pourrais pas. Voilà pourquoi je vous le fais en différé. Je me contenterai de vos commentaires pour voir si on peut faire un direct autour de ça. Et je suis cette histoire de près. Jusqu'à ce qu'il y aura du nouveau et encore du nouveau autour de la situation. Je vous aime, je prends dans mon cœur et je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.